Bonjour, je suis Thierry Cam et vous êtes dans ma Minute sans filtre. Je suis Thierry Cam, je suis dans le milieu de la musique depuis quelques années déjà, mais je ne dirais pas combien. On va rester dans l'instant présent. Et voilà, donc je suis venu vous parler de moi un petit peu dans ma Minute sans filtre. Alors mes origines, elles sont diverses. Elles sont africaines, antillaises, ibériques, un peu de l'Italie, un peu de l'Espagne, un peu de l'Écosse, un peu de l'Irlande. Ça, c'est du côté de ma mère et du côté de mon père, c'est plus africain. Nigeria. Me décrire en trois mots. I love you. Le zouk, c'est une musique qui rentre dans ma vie au début des années 80, c'est avec l'apparition du groupe Kassav. Bien avant de découvrir le zouk, moi j'écoutais Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, en fait toute la pop qui venait d'Angleterre, Wham, Culture Club et toutes ces influences-là. Et puis le zouk, je commence à m'y intéresser aux alentours de 1986. Et c'est ma cousine qui me fait découvrir ça, notamment Patrick Saint-Éloi, qui était l'un des leaders du groupe Kassav. Malheureusement, Patrick nous a quittés il y a quelques années déjà. Et c'est comme ça que je viens à cette musique et je fais ce retour aux sources, aux racines de ma musique et avec toutes les influences que j'ai pu avoir durant ma jeunesse à écouter, que ce soit toute la variété internationale que j'ai citée tout à l'heure. Ce qui m'a marqué la première fois que je suis arrivé à Abidjan, c'est d'abord les filles et après c'est le poisson braisé et la tchéké. Ah, il y en a quelques-uns. Mais c'est plus. Il y a Mewé que j'aime beaucoup et puis il y a Hilary, cette nouvelle chanteuse que j'aime bien. Et qui est très mignonne, très sexy. Et puis il y a qui d'autre? Il y en a plein. Hein. Je n'ai pas envie. Ah, il y a les Magic System aussi, que j'avais l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Et moi, je ne les entends plus trop, mais ça aurait été bien une bonne fusion entre ma musique et celle de les Magic. Wow, j'en ai tellement. Alors, j'aime bien sûr poulet braisé, poisson braisé, aloko, attiéké, foutou. Avec le foufou et qu'est-ce que je peux dire encore les comment ça s'appelle encore le truc, c'est claclo, c'est ça, les beignets là, les claclo. Je crois que j'ai cité un peu tous les bons trucs, hein, les trucs qui sont bien lourds et qui nous permettent de rester debout. Ma réalisation dont je suis le plus fier, j'en ai fait quelques-unes, mais je suis fier de ma nouvelle chanson, Tu fais battre mon cœur. Trois vœux avec une lampe magique. La paix dans le monde. Je dirais la richesse pour tous, mais pas l'argent. Hein. Mais la richesse, l'amour, la plénitude, le bonheur. Et l'éternité. Supprimer la mort, que l'on vive éternellement. La chose la plus gênante qu'un fan ne m'ait fait. Je crois que ces gens te tiraient comme ça pour faire une photo, tu vois. Sans te demander ton avis, elle te tire, viens faire comme si tu étais un objet, tu vois. Et puis elle fait la photo, et puis elle s'en va, elle ne dit pas merci, elle ne dit pas bonjour, elle ne dit rien. Et ça, je trouve ça un peu gênant. Ah, oui, j'étais sur la scène du Grand Méchant Zouk. Et puis, ce qui est drôle, c'est que on chantait avec des Ears Monitor. Et dans les Ears, des fois, on n'entend pas tout. Et j'avais l'impression de chanter faux. Donc du coup, j'ai commencé à chanter un truc, mais c'était complètement décalé avec la musique de ce que les gens pouvaient entendre. Mais après, je me suis vite rattrapé. Et puis, je m'amusais aussi à taquiner un petit peu la chanteuse avec qui j'étais en duo, qui s'appelle Princess Lover. Je ne sais pas si les gens connaissent. J'étais sur scène avec Princess Lover et puis ça se passait sur la scène en Guadeloupe. Mais c'était assez drôle. Est-ce que je préfère l'amitié ou l'amour? Moi, j'aime bien l'amour en amitié.
Amour, ambition. L'amour ambitieux, c'est pas mal, hein. C'est tout. Mais quand on a de l'intelligence, on est forcément beau. C'est la beauté de l'intérieur. La discrétion. Et quand on est discret, on se fait remarquer. Sortir en amoureux avec des amis. Ah, je suis à Poutchou. Ah, à Poutchou. Les deux, mais Arafat, ça bouge plus. Alors, ne pas faire l'amour pendant 6 mois ou manger la même nourriture pendant 6 mois. Alors, je mange la même nourriture pendant 6 mois et les 6 autres mois de l'année, je fais que l'amour pour digérer ce que j'ai mangé pendant 6 mois. Ça, c'est pas... C'est souvent, la vérité qui dérange. C'est bien aussi la vérité qui dérange. Ça permet de rassurer les gens après. Bon, je pense que le bonheur, c'est important. Et je préfère ne pas être célèbre, mais être très heureux, que d'être très célèbre et malheureux. Mais quoi qu'on peut être très célèbre et heureux aussi. Tu fais battre mon cœur, Live TV. 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 Yeah.